Bonsoir Monsieur Kessé Tongo. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Oui, d'abord merci de me donner l'occasion de parler. Voilà, je suis Christian Etongo, artiste de performance. Je suis né au Cameroun, à Yaoundé. Je vis et travaille à Yaoundé, au Cameroun. Pouvez-vous nous parler de votre participation à la semaine culturelle intitulée The Burning of Memory Considering German Colonialism? Voilà, c'est un projet qui, je pense, arrive à point nommé parce que je suis un artiste qui travaille sur, les problèmes de la colonisation et du post-colonialisme. Donc je pense que naturellement, vu que le projet se passait au Cameroun et que je travaille beaucoup en Allemagne, j'ai été contacté par le Goethe-Institut pour présenter une performance que j'avais déjà créée dans le cadre de la commémoration des 130 ans de la conférence de Berlin. Donc j'ai créé cette performance pour la présenter à la Volksbühne, un théâtre de Berlin. Voilà, le Goethe voulait que je reprenne cette performance dans cet événement de Burden of Memory. Pour vous, à quoi renvoie le concept de Burden of Memory? Pour moi, c'est un concept, je pense, où on nous demande d'avancer. On a besoin d'avancer parce que la situation de la colonisation nous a mis dans une impasse et on a besoin de sortir de là. Donc je pense qu'un projet comme celui-là est là pour rassembler les victimes et les bourreaux et trouver un terrain, trouver un moyen de sortie, un moyen de réconciliation. Votre performance dont vous parlez, quelle en est la quintessence? After Tears, c'est parler après les larmes, se dire après la colonisation, après les crimes, après tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que ça doit se passer? Alors je propose le rituel Tso, qui est un rituel de purification chez le peuple Béti. C'est un rituel qu'on fait après qu'il y ait eu des crimes. Alors là, c'est un rituel qui propose la réconciliation. Donc voilà, After Tears, c'est un questionnement sur le pourquoi de cet événement, de cet acte. Et après ça, la suite c'est quoi? C'est ça le questionnement. Durant votre rituel, soit vous avez utilisé un masque fait à base de produits ou bien de matériaux contemporains. Quelle est la signification? Quel est le message que vous voulez transmettre à travers ça? Ce masque est la base du masque Afiri, Afiri Kara, qui est un masque Béti, un masque premier. Et voilà, comme nous avons perdu une certaine spiritualité, nous partons maintenant, nous prenons des éléments de la spiritualité première pour créer notre propre spiritualité, pour réinventer. C'est une façon de réinventer l'Afrique. Prendre un masque ancien, ajouter des éléments contemporains, c'est une façon de réinventer notre spiritualité parce que il est, pour moi en tant qu'artiste, je pense que vouloir tout faire rentrer les masques et les objets qui sont dans les musées en Europe, pour moi c'est une distraction. Donc nous pouvons réinventer notre propre culture, nos propres masques. Il faut dire que ce masque Afiri a dormi toute une nuit, pendant 24 heures au musée des 5 continents à Munich, dans un musée où sont enfermés 200 000 objets qui viennent du monde entier. Et la conversation entre Afiri, ce masque, et ces objets dans ce musée à Munich, en Allemagne, c'est cette conversation qui est animée par les mouvements qu'on me voit faire. Cette conversation dure, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc voilà en fait le masque que vous avez vu dans cette performance. Votre mot de fin, un message à transmettre? Mon message, c'est le message de paix, de réconciliation. Il faut laver tout ce sang qui a coulé, il faut le laver sincèrement, reprendre un nouveau départ, avancer. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.